Une fumée âcre, difficilement respirable, voilà ce que les habitants du quartier de Planoise ont vécu toute la journée. Sous leurs pieds, un brasier qui n'en finit pas de se consumer. Des dizaines de voitures qui s'enflamment les unes après les autres. Tout a commencé vers 9h ce matin. Trois hommes masqués et armés font irruption dans la fourrière municipale. Ils incendient un véhicule, sans doute une pièce à conviction, pour la justice. Manifestement, il y a un geste qui pourrait être criminel, puisque des individus se sont présentés avec un bidon d'essence à la main. Et donc l'enquête déterminera maintenant si le lien est direct et si c'est effectivement un geste criminel. En quelques minutes, le feu s'empare du parking souterrain. Très vite, les fumées envahissent le supermarché situé juste au-dessus. 300 personnes, des clients, sont évacuées. Passe dans la galerie, viens par là, on sait jamais. Dans le magasin, toute la fumée est rentrée dans le magasin. On ne voit plus rien. Tout est foutu, en fait. L'Intermarché a été évacué. Il n'y a pas de victimes, ni parmi le personnel, ni parmi les acheteurs, les clients. Donc, on est en train d'évaluer la situation. En fin d'après-midi, les pompiers entamaient des mesures de toxicité des fumées dans ce quartier qui abrite près de 20 000 habitants. 150 en H2. 150, c'est des grosses valeurs, mais voilà, c'est pas significatif, quoi. Pour beaucoup, le cœur n'était évidemment plus à la fête. C'est quand même incroyable, quoi. Faut que ce soit un 31 décembre pour que ça arrive comme ça, un 31. Décembre matin, ça pourrit la vie de tous ces gens qui pensaient faire un bon réveillon. Ce soir, les pompiers n'ont toujours pas atteint le centre du brasier. Ils redoutent la propagation du feu dans ce parking de plusieurs milliers de mètres carrés. Des pompiers qui s'apprêtent à lutter toute la nuit encore.